Ravi de vous retrouver en direct sur Dailymotion depuis le domaine de Blonay, les installations du club professionnel de l'Evian. Tonon Gaillard qui nous accueille, nous, la Danone Nation Cup, pour la deuxième manche de qualification pour la finale nationale. Ce sera à Nice. Vous y serez, Philippe, vous êtes à nos côtés. Bon, oui. Philippe Doucet, notre consultant pour ce rendez-vous, pour cette finale qui va nous sustenter dans quelques minutes. On a vu une journée extrêmement dense, seulement 43 équipes, il y en avait un petit peu plus du côté de Bordeaux, mais quelle densité aujourd'hui, Philippe. Oui, peut-être une qualité même supérieure, alors peut-être parce qu'il y a moins d'équipes aussi, mais beaucoup d'équipes sont venues même de loin, les équipes de l'Est, les équipes comme Rouen sont venues, il y a eu vraiment un gros rassemblement en qualité ici, et du coup on a eu un tournoi, comme toujours d'ailleurs dans la Ligue Rhône-Alpes, de grande qualité. 8 clubs professionnels du reste étaient sur la ligne de départ. Beaucoup de matchs, 129 de poules disputées, des potrons minés pour les premiers. Et puis l'identité des finalistes, eh bien on ne les a pas pour le moment en intégralité. On en a un, on va vous laisser le suspense pour les prochaines minutes. Avant cela, un petit rappel malgré tout, Philippe, de ce programme. Nous étions à Bordeaux, nous l'avions dit, avec tout ce programme Grand Ouest, hein, avec 63 équipes sur la ligne de départ. Ici, on va se concentrer beaucoup sur l'Est, même si vous l'avez dit, il y a des Rouennais qui sont venus. Comment se passe la démarche de qualification pour le rendez-vous niçois? C'est le même processus qu'à Bordeaux, effectivement, c'est-à-dire une qualification où tout le monde joue 6 matchs, on additionne les points, on compare, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours joué les mêmes adversaires. Ça a été très serré d'ailleurs. On a eu 4 équipes à 16 points, dont 2 étaient qualifiées et 2 ont basculé dans la mauvaise case des éliminés, dont l'Olympique Lyonnais, éliminé avant même les quarts de finale suite à la différence de but qui leur a été finalement défavorable. Et puis, on a eu 8 quarts de finalistes qui sont sortis de ce tableau. Et après, 4 demi-finalistes. Et là, on est en train d'arriver à nos 2 finalistes pour aller à Nice, tout simplement, parce que la finale, c'est à la fois la récompense et puis la fin de cette journée. Mais c'est surtout que ces 2 équipes qu'on va suivre en finale vont à Nice, vont à la phase finale à Nice. Et oui, et pour être... Rejoindre Van et Colomiers, on rappelle les 2 premiers qualifiés. Exactement, les 2 premiers qualifiés le mois dernier. Colomiers ayant créé une petite surprise. Est-ce que le rendez-vous des clubs professionnels va passer l'écueil de ce tournoi évianais? Eh bien, ce sera la réponse dans une grosse dizaine de minutes. Philippe, on va se retrouver pour commenter la finale. Je vais vous laisser regarder la séance de tir au but parce qu'on va trahir le secret. Il y a donc une identité qui n'est pas connue quant à l'un des finalistes. Nous, on va parler de cet événement d'Anna Nation Cup avec la responsable de la communication de ce rendez-vous qui va nous rejoindre, Mélanie Maldiaï-Péré, qui va être à nos côtés. Allez, on vous accueille tout de suite à nos côtés, Mélanie. Bonjour d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce rendez-vous. Quelle journée! Il a manqué, allez, un brin de soleil, mais sinon c'était quasi parfait, on s'est régalé. Ah, c'est parfait quand même, on est à l'ETG, c'est pas tous les jours. Non, non, vraiment super. Gros rendez-vous, et puis même si le moteur, soyons clairs, de Danone n'est pas forcément l'esprit de compétition, c'est Bambin qui avait des étincelles dans les yeux, ils avaient aussi beaucoup de déceptions, forcément, quand ils sortaient de cette compétition. Ah, ils en ont toujours, c'est sûr, mais les enfants, ils jouent à cet âge-là, ils ne pensent qu'à leur match et puis ils pensent finalement pas après à ce qui les attend en finale internationale. Ils pensent qu'ils se rendent même peut-être pas compte qu'ils sont en train de participer au plus grand tournoi international des U12. Donc oui, il y a de la déception. Après, je pense que pour eux, c'est une chance incroyable. Ils sont à l'ETG, ils foulent la pelouse des plus grands joueurs. Donc voilà, il y a aussi une part de « je réalise mon rêve de jeune footballeur ». C'est ce qui transpirait effectivement dans leurs propos. Mélanie, 16e édition de cette Danone Nation Cup qui est maintenant installée totalement dans les esprits des plus jeunes. Certains professionnels ont même, à leurs premières éditions, disputé cette compétition qui rentre dans les mœurs. Qu'est-ce qui a germé dans l'esprit des dirigeants de Danone pour inscrire leur nom à cette compétition de jeunes? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans les gènes de ce groupe Danone?
L'idée, c'était déjà de créer une compétition U12 qui n'existait pas et donc de donner la chance aux 10-12 ans de participer à un tournoi international de football. Alors, pourquoi les 10-12 ans? C'est vrai que c'est souvent une question qu'on se pose. Bah, en fait, c'est la dernière catégorie qui est mixte. Donc, ça permet d'avoir des garçons et des filles qui jouent au football et qui vont défendre des valeurs comme le fair play qu'on a pu voir aujourd'hui, le dépassement de soi et toutes ces belles valeurs du sport. C'était très important pour le groupe de pouvoir avoir son propre événement et du coup de pouvoir y insuffler ces belles valeurs du sport et puis du coup redorer l'image du football pour les enfants en tout cas. Mélanie, on va trahir un secret, en tout cas vous travaillez aussi sur la finale mondiale qui devrait se dérouler, qui se déroulera au Maroc à l'automne prochain. Comment se déroule ce processus de qualification? C'est que Bordeaux avait représenté la France l'an dernier au Brésil. Comment parvient-on, quand on est l'un des clubs engagés côté français pour aller à cette finale mondiale, comment se passe le processus de qualification? Ben c'est très simple, vous avez 32 pays et les 32 pays sont en train de vivre ces phases qu'on a là aujourd'hui, leur phase régionale puis leur phase finale. Et donc chaque équipe gagnante de leur finale internationale, de la finale nationale se retrouve sur la finale internationale. Donc si vous voulez, ça peut être des clubs, des écoles, ça dépend vraiment de la structure du tournoi dans chaque pays. Et après, ces 32 équipes se retrouvent alors au Maroc en automne, l'année dernière au Brésil. Sympa, souvent dans des très beaux stades. Je ne vends pas la mèche pour cette année. L'année dernière, ils ont foulé la pelouse du Corinthians, le stade qui a ouvert la Coupe du Monde. Donc voilà, ces 32 équipes, pour le coup, réalisent leur rêve de football le plus fou. Ah oui, le rêve absolu, c'est confirmé. Il n'y a pas que les petits, je vous le confirme, qui aimeraient réaliser ce genre de rêve. Mélanie, on va vous laisser vivre cette finale dans les prochaines minutes. Et nous, on va se quitter quelques instants parce que vous parliez du processus de qualification. En France, il est sur plusieurs dates. La première d'entre elles, nous y étions. C'était du côté du Château du Hayon à Bordeaux. On vous fait vivre les meilleurs moments tout de suite et on se retrouve après pour commenter cette finale qui va nous passionner. Allez, on connaît un finaliste, il s'appelle Metz. A tout à l'heure. Près de 750 enfants venus des quatre coins du Grand Ouest pour tutoyer leurs rêves dans le cadre prestigieux du Château du Hayon. C'est à Bordeaux qu'était donné le coup d'envoi de la 16e Danone Nations Cup. Parce que c'est un centre d'entraînement parfait, ça répond tout à fait au concept qui est de réunir toutes ces équipes. Alors aujourd'hui, on bat un record, il y a 62 équipes qui étaient inscrites et qu'on accueille donc ici à Bordeaux pour la Danone Nations Cup. Le décor est planté, tiens, notre vainqueur sortant, c'est justement Bordeaux qui joue à domicile. Représentante française lors de la finale mondiale au Brésil en novembre dernier, la QV 2003 des Girondins a fait des émules. Là, je suis très content de la faire et voilà. Donc, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Si on passe, ce sera vraiment hyper bien. L'émotion est en marche pour Hugo et ses petits camarades. Un sans faute après avoir disputé 3 de leurs 6 matchs de qualification. Ça caracole aussi à Laval. Les 5 heures de voyage ont été bien digérées. Il faut dire qu'en Mayenne, on a des jeunes de caractère. C'est la première année qu'on le fait, donc quand on a eu les convocations, et voilà. T'as sauté au cou de papa-maman? Non. Non, ouais, je suis un grand. Hein. Oui. 6 matchs et autant de victoires, ça ressemble en effet à une prophétie. Laval verra les quarts de finale en toute simplicité. On se prend au jeu, tout simplement. On se prend au jeu, c'est le plaisir des enfants avant tout. Et la compétition va venir au fil du temps. Et au fil d'une ambiance qui va elle aussi crescendo. C'est Laval qui va gagner ! Une bonne humeur qui fait oublier la grisaille, seul invité pas vraiment désiré de ce premier jour du printemps. Heureusement, les étoiles ne sont pas dans le ciel, mais dans les yeux des bambins. Après 6 heures de football, 192 matchs ont été disputés. L'heure du verdict a sonné. Ça y est, on a tous les résultats, on va rentrer le classement. Van est premier de cordée à l'issue de ce mini-championnat. Les Bretons, incarnation d'une 16e édition pleine de surprises. Seulement 4 clubs professionnels au rendez-vous des quarts de finale. Des quarts au cours desquels les 2 finalistes sortants seront éliminés d'emblée. Ils avaient vu Sao Paulo, ils ne verront pas Marrakech, les Bordelais. Balayé aussi Trélissac, double tenant du titre Royan, est sorti 3-0 par les nouveaux venus Tourangeau. Toulouse et Tours qui n'arriveront pas à confirmer au tour suivant un statut de favori fraîchement acquis. Contrairement à Vannes, les troupes de Pierre-Alexandre Lelièvre sont invincibles jusqu'en finale. Les voilà donc qualifiés pour le rendez-vous national du 7 juin à Nice. Ils y seront accompagnés de Colomiers. Tapis dans l'ombre, dans la matinée, les banlieusards toulousains ont fait parler leur puissance et leur esprit d'équipe pour finalement triompher.
Un succès étriqué 1-0, mais une finale globalement maîtrisée. Les Columérins pouvaient bien laisser éclater leur joie. À l'issue d'une journée exaltante, ils avaient déjà les yeux rivés sur la Riviera. 8 autres équipes les y rejoindront, car le feuilleton ne fait que commencer. Le prochain épisode est à Évian le 18 avril. D'ici là, certains vont faire de beaux rêves. Et les beaux rêves, ils les ont faits, ces Columérins et ces Vannetais qui sont qualifiés pour le rendez-vous niçois de début juin. On parlait des beaux stades à l'instant avec Mélanie Mainviel-Perret, responsable de la communication de Danone. En voilà un beau que l'Allianz Riviera après le stade Vélodrome. Oui, c'est vrai que ce rendez-vous réalise les rêves des tout jeunes de cette catégorie, des U12 qui sont présents aujourd'hui. Et on a même la catégorie inférieure pour certains, sachez-le, avec quelques U11 qui sont surclassés. Et oui, messieurs, dames, c'est dire si la qualité technique est bien présente pour certains du côté eh bien des Messins notamment, qui sont qualifiés pour cette finale. Vous voyez à l'instant, alors que le protocole va débuter dans les prochaines minutes, l'entrée justement des joueurs des deux équipes sur le terrain numéro 1 de ce domaine de Blonay, où s'entraîne eh bien l'équipe de Lévion, Tonon Gaillard, l'équipe professionnelle qui joue ce soir, en Ligue 1 du côté de Guingamp, un match importantissime pour sa survie en Ligue 1, en première division de football. Là, eh bien, les Évianais chez les jeunes sont un petit peu moins présents. Ils ont été éliminés lors de la phase de poule, lors de la phase de qualification avant même cette épreuve finale. Ils vont pouvoir regarder les grands jouer pour leur maintien. En revanche, on le disait tout à l'heure, Philippe, est-ce qu'on se posait la question, est-ce que des 8 clubs professionnels, est-ce que de ces 8 écuries pro, eh bien, on allait avoir des survivors au rang de cette finale. Eh bien, pas manqué, vous les aurez reconnus à côté des Grenats. Ce sont bien des Verts stéphanois qui se sont qualifiés pour cette finale. Ça a été au long cours, tout au long de cette phase finale d'ailleurs pour les Stéphanois, même peut-être de cette journée, Philippe, oserais-je, ça a été plus difficile, mais ils sont bien là. Oui, surtout la demi-finale, parce que pour le reste, ils ont plutôt bien dominé leur sujet, ils se sont qualifiés tout à fait correctement, ils étaient dans les 4, ils étaient 3e même, ouais. Ils étaient 3e de la phase de qualification, mais c'était 4e d'ailleurs, je veux dire, il n'y a pas de vraie surprise, hein. La formule fait que 8 équipes se qualifient, parfois ça vient de, une équipe vient de loin et est au bord de la rupture, non, là ce sont les 4 premiers qui ont été en demi-finale, au rendez-vous des demi-finales. Par contre, ce sont les têtes de série 3 et 4 et non les 1 et 2 qui se l'ont emporté. Donc Metz et Saint-Etienne qui vont jouer dans leur couleur habituelle. Et puis Saint-Etienne a surtout souffert en demi-finale parce que Strasbourg était une très très grosse équipe. Et Strasbourg a chuté au tir au but face à Saint-Etienne. Strasbourg a chuté au tir au but face à Saint-Etienne et Saint-Priest aussi a chuté en demi-finale face à Metz. Ça ne s'est pas joué au tir au but, ça s'est joué dans le jeu, mais Saint-Priest avait été la tête de série numéro 1. Elle avait tout gagné ce matin. Le meilleur club amateur de la Ligue Rhône-Alpes depuis 3 saisons. Ouais. Ça fait 3 saisons que c'est le meilleur club amateur. Ils l'ont prouvé une fois de plus, Saint-Priest. En réalisant une très belle performance, en étant premier de leur groupe. Mais en demi-finale, Metz était plus fort. Metz l'a emporté 2-0 et sans discussion possible. Et l'entrée donc des deux équipes sur ce terrain numéro 1 du domaine de Blonay, sous vos yeux, chers téléspectateurs de Dailymotion, supporters peut-être de ces deux clubs, ou parents qui n'ont pu faire le déplacement, ou tout simplement amoureux de ce rendez-vous de la Danone Nations Cup. Vous êtes de plus en plus nombreux pour cette 16e édition et ces enfants qui sont pour certains, et oui, du côté des U11 à Metz, deux d'entre eux, commencé par le gardien Brahim que vous avez vu il y a quelques secondes, qui sont surclassés, c'est vous dire si la qualité, elle est bien présente chez ces jeunes Messins. Ah, il y a beaucoup de parts dans le budget de l'équipe de Metz qui est dédiée à la formation, tout comme du reste Saint-Etienne, si on devait faire le total des contrats professionnels qui étaient sortis des centres de formation de ces deux clubs, on aurait certainement des chiffres assez éloquents. L'équipe de Mickaël Cesca, la voici. On parlait du jeune Brahim, vous avez vu son nom apparaître dans les buts, qui est le gardien qui fait partie donc de ces deux U11 qui sont présents, tout comme Dalil qui fut le premier buteur lors de la victoire 2-0 sur Saint-Priest. C'était il y a quelques minutes. Côté stéphanois, quelques joueurs qui ont retenu votre attention aujourd'hui. Oui, il y a d'excellents joueurs, vous allez les découvrir, on en parlera davantage, mais retenez déjà ce gardien Clément qui a arrêté un pénalty en demi-finale dans le cours du jeu, a arrêté en plus un tir au but
Ensuite, Strasbourgeois, le dernier de la série de tirs au but, et qui a donc été vraiment le décisif pour qualifier l'équipe pour la finale et pour Nice. Et pour Nice. Exactement, et pour Nice, puisque avant même que cette finale ne se déroule, c'est ça aussi l'atout de cette compétition et qui procède du sourire qu'on vient de voir sur les visages à l'heure actuelle au moment de la photo de famille, du protocole qui se poursuit. Pourquoi ces deux équipes ont le sourire? Tout simplement parce qu'elles savent d'ores et déjà qu'elles seront le 5 juin prochain à l'Allianz Riviera de Nice, tout comme Colomiers, tout comme aussi le Van Olympique Club, qui sont d'ores et déjà qualifiés. La finale vous ouvre les portes de ce grand rendez-vous et ce sera de nouveaux représentants pour cette zone, puisque l'an dernier c'était Strasbourg et Grenoble qui avaient représenté l'Est, entre guillemets. Tout à fait, qui ont d'ailleurs été aujourd'hui parmi les toutes meilleures équipes. Strasbourg, on l'a dit, a été en demi-finale, a vraiment été à deux doigts de battre Saint-Etienne. C'est plutôt eux qui ont dominé ce match et qui auraient peut-être mérité de se qualifier. Et puis Grenoble a échoué en quart de finale, mais d'extrême justesse, après un très très beau parcours tout au long de la compétition. Ils ont échoué, non pas au pénalty, mais sur un pénalty inscrit par Metz lors des quarts de finale. Metz a battu Grenoble 1-0, mais ces deux équipes étaient à nouveau au rendez-vous, ce qui prouve qu'il y a quand même une certaine permanence, même si on est heureux évidemment que Saint-Etienne, par exemple, qui ne brillait pas trop dans cette compétition depuis quelques années, soit là au rendez-vous de la finale de Nice. Et ce rendez-vous donc de la Nations Cup qui prévaut aussi, qui est un bon tremplin de formation des arbitres aussi, puisque les sifflets de cette phase finale ont été eux aussi suivis et on a procédé à une notation, et ils ont pu effectuer les phases finales. On pense notamment au drapeau de l'autre côté, à Mickaël, que nous avons rencontré cet après-midi et qui lui aussi avait des étoiles plein les yeux, tout comme ses enfants, même s'ils sont un petit peu plus âgés, les arbitres. Oui, c'est Monsieur Reiss donner le coup de sifflet de ce match. Lui aussi sera à Nice, car Monsieur Reiss a été choisi parmi les trois meilleurs arbitres, les deux arbitres du centre qui ont arbitré les deux demi-finales, et lui-même seront à Nice comme un trio arbitral pour la phase finale. Et c'est parti donc pour cette finale de la deuxième étape de la Danone Nation Cup au domaine de Blonay. Stéphanois et Messin, deux jeunes d'équipe qui sont des clubs formateurs patentés de notre France du football et qui se retrouvent après un parcours sans faute pour l'une et l'autre. Et des Messins qui sont clairement montés en puissance tout au long de cette journée. Ce que va effectuer Noah dans quelques secondes. Noah qui a été l'un des hommes de base derrière de cette rencontre face à Saint-Priest, qui était déjà sur ce terrain numéro 1, qu'on a suivi avec un petit peu plus d'attention. C'était partager les tâches, Philippe. Oui, tout à fait. Oui, Noah qui déborde remarquablement sur le côté gauche, qui a été un animateur, à la fois un défenseur, mais premier attaquant également. Vous vous demandez peut-être comment on joue à 8. Allez-y. Quel schéma tactique? Expliquez-nous. Côté Messin, en tout cas, c'est un 2-3-2. Exactement. Avec des vocations de repli et de piston sur les joueurs de côté véritables, ouais, qu'on voit un petit peu partout. Notamment, et comme Noah. Ici Noah et Ethan de l'autre côté. Salahedine qui part en percussion. Alors là, voilà un profil de joueur comme les a parfaitement confectionné cette formation stéphanoise. On le verra aussi tout à l'heure avec en attaque Mohamed, le numéro 11. Mais alors Salahedine a un profil de récupérateur, dribbleur, qui est assez intéressant. Et en plus, vous le voyez certainement, c'est le plus petit joueur sur le terrain, le numéro 6 stéphanois, qui porte des lunettes, tel un nageur. Qui a montré tout au long de la journée de grosses qualités, très créatif, effectivement, c'est le mot. Ce sont bien sûr des lunettes de vue, vous en doutez, c'est pas juste pour plonger ensuite dans une piscine. Et en tout cas, ça le sert, car sa vision du jeu est tout à fait remarquable. Attention à la frappe, elle est lourde. Ted a marqué 4 buts aujourd'hui, dont le deuxième but de la demi-finale, un joli lob, pas une frappe de loin, mais un lob astucieux. But qui a confirmé la qualification pour la finale de cette formation messine. C'est un des rares joueurs qui lui évolue parfois avec les U13. Tout le reste de l'équipe messine évolue dans des championnats de U13, parce que U12 n'est pas une catégorie classique
dans les championnats de la Fédé. Donc ils jouent des championnats de U13, mais ils jouent entre U12, si j'ose dire. Même si ça n'existe pas, U12, on peut le dire, entre joueurs nés en 2003. Et puis, je vous le disais, on le disait tout à l'heure, il y en a même deux qui jouent en U11 carrément. Le buteur tout à l'heure, Ali, le premier buteur de la demi-finale. Et puis le gardien de but, Brahim, qui est lui, Ali n'est pas titulaire pour l'instant, mais Brahim est bien sûr dans les buts. Et Noah qui va obtenir un coup franc, alors que dans la surface de réparation, Naël est aux côtés de Ted. Quelques consignes, quelques dialogues entre les deux pour pouvoir, pourquoi pas, réceptionner ce coup franc. C'est eux que vous voyez au cœur de cette défense stéphanoise, composée de Marouane et Matisse, qui n'ont pas encaissé le moindre but aujourd'hui. Ces Stéphanois, impressionnant dans ce secteur-là. Marouane, capitaine de cette formation stéphanoise, qui subit un petit peu quand même, Philippe, dans ce début de finale. Oui, Metz, sur sa lancée, domine effectivement. Et il est parfaitement tiré, fuyant ce coup franc, tiré par Bilel. Et le jeu qui rebondit, ça frappe à bout portant. Et encore voilà Ted. L'ouverture du score. C'est Ted, à nouveau, qui inscrit son cinquième but de la journée, décisif en demi-finale. Le capitaine messin et qui lance son équipe sur la voie du succès. Il reste encore beaucoup de temps, 8 minutes dans cette finale, mais c'est déjà un grand pas de fait vers le titre pour ces messins. Et c'est amusant parce que tout à l'heure, c'est en essayant comme ça un petit lob qui s'est retrouvé dans la situation de réussir un lob à la fois sur un défenseur et sur le gardien. Là, c'est une situation un peu différente car ce lob lui a permis ensuite, et très, très près du but, d'ajuster le gardien Clément. Mais Ted, en tout cas, marque 5 buts. Alors, c'est un joueur à vocation plutôt défensive dans l'axe, devant la défense. Mais évidemment, sa puissance, vous le voyez, naturelle, lui permet évidemment de se porter vers l'avant et d'être décisif. Alors, la question, je vous le disais, c'est un joueur qui joue en U13 assez régulièrement. Exactement. La question maintenant pour Hermias, qui est au duel, et ses partenaires stéphanois, c'est de savoir comment ils vont évoluer dans cette configuration, parce que c'est la première fois aujourd'hui qu'ils sont menés au score. En 8 matchs, ça ne leur était pas arrivé. Et oui, donc fatalement, il va falloir créer un petit peu plus et essayer de faire preuve de réaction. Est-ce que son équipe en est capable? Ça va être une grande question pour Aurélien, l'entraîneur. C'est une équipe qui prenait assez largement et assez aisément le jeu à son compte dans les qualifications, voire dans les quarts jusqu'au quart de finale. Après, ça devient plus difficile. Ça n'a pas été le cas en demi-finale où ils ont subi face à Strasbourg. Et ils subissent à nouveau. Eh bien, on n'était pas très très loin de la reprise de Naël et d'une possibilité de deuxième but. Oui. Ils sont un petit peu la tête dans le seau, c'est stéphanois, et ils n'arrivent pas à créer quoi que ce soit, un petit peu inhibé. On pense notamment à Bilel, qu'on a vu beaucoup plus à l'aise depuis le début de la compétition. Attention, parce que lui, il va très très vite sur le côté droit. Hermias qui a réussi son crochet extérieur. Et malheureusement, s'il s'est emmené sur son bon pied, il s'est évidemment désaxé en prenant ce crochet direction extérieure, et c'était beaucoup plus difficile pour Hermias de cadrer dès lors, alors que Brahim n'a rien eu à faire, le gardien messin depuis le début de cette finale. Ted qui fait la différence au physique, au gabarit sur Salah Eddine, et qui va derrière obtenir un coup franc. C'est vraiment le joueur facteur X, si on voulait prendre une expression de basket, dans cette formation messine. Je pensais même qu'il allait être en position de frapper, pourquoi pas, parce que c'est une distance à laquelle il a frappé tout à l'heure. Mais c'est plutôt le gaucher Noah, pour une frappe également. Ouais, qui tente sa chance de loin. Et c'est déjà la fin de la première période. Oui, on ne s'est pas ennuyé au cours de cette première période qui a vu les Messins ouvrir le score. On revoit ce dernier coup franc, malheureusement frappé sur les talons. Équilibre arrière pour Noah, qui a complètement vu cette frappe s'envoler. Les Messins qui sont à leur main, je dirais, Philippe, lors de cette première période, ces 6 premières minutes. Que va dire Aurélien à l'occasion de ce changement de côté, qui va être un petit peu rallongé, évidemment? On lui demandera à la fin du match, malheureusement. Mais pour son équipe, c'est très difficile pour le moment, Philippe. Oui, là, vous allez être au cœur avec nos caméras. Vous allez être au cœur de la discussion, alors qu'on revoit d'abord les actions principales. Et notamment un premier arrêt de Clément sur le coup franc de Ted Alonso.
Et puis ce but, ce cafouillage, ballon difficilement dégagé par les Stéphanois, tellement mal dégagé du reste que Ted en fait la meilleure exploitation. Ah oui, parce que dans le petit périmètre, petit pointu, c'était pas évident. Petit pointu, je crois, mais habile. Exactement, que n'aurait pas renié Jean-Alain Boumsong qui était présent, oui, hein, lui. Absolument. Qui a poursuivre vu son fils Cameron, évidemment, jouer avec l'Olympique Lyonnais. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on est dans un week-end de derby, là, chez les jeunes, Saint-Etienne a pris largement le dessus, puisque l'Olympique Lyonnais et aussi le FC Lyon qui était là. Qui était 9e, juste premier non qualifié, l'Olympique Lyonnais 2e non qualifié à 10e place, et Saint-Priest pouvait sauver l'honneur lyonnais, en ville de banlieue bien sûr, au sud de Lyon, et bien Saint-Priest a été éliminé finalement en demi-finale. J'ai bien vu que sur l'annonce du FC Lyon pas qualifié, vous vous êtes défaussé, hein, vous l'avez laissé, celle-là vous n'avez pas voulu l'annoncer, vous avez préféré annoncer le 8e. Oui. Bah oui. C'est toujours dur. Oui, mais sur le podium tout à l'heure, je savais qu'évidemment ça ajouterait de la tristesse au FC Lyon qui ne savait pas s'ils étaient qualifiés ou pas, ils n'en étaient pas complètement certains, c'était tellement serré, ça se jouait à 3 buts je crois de différence de buts entre Nancy qui avait accumulé plus de bonus que Lyon, et ça s'est joué là-dessus parce que dans les phases de qualification on privilégie l'attaque, donc il y a un bonus à chaque fois qu'on marque 3 buts, ça a été très exploité par l'équipe de Nancy qui a fait 4 bonus sur ces 6 matchs de qualification, 2 seulement pour Lyon et pour le FC Lyon, et du coup c'est Nancy qui est passé alors que tout ce petit monde était à égalité de points. Et oui, 4 équipes à 16 points et ça s'est joué à rien. Eldin et ses coéquipiers donnent le coup d'envoi de cette deuxième période. Metz a peut-être fait le plus dur en marquant par l'intermédiaire de Ted, son capitaine et homme à tout faire, hein, clairement depuis le début de cette journée, maillon fort aux côtés de coéquipiers très sérieux. Alors évidemment, à ce stade de la journée, il y a à la fois l'immense satisfaction de la qualification pour Nice qui fait une petite déconcentration, et puis il y a quand même la fatigue parce que on en est quand même au 6 et 3, ça fait 9 matchs, 9 fois 12 minutes. Vous voyez que c'est... Alors, ils n'ont pas joué tout le temps, et bien sûr, il y a des rotations, mais enfin, c'est tout de même très très intense comme journée, plus de... ça fait quoi, 108 minutes, ouais, 108 minutes de jeu quand même. Exactement, quelle calculette Philippe, effectivement, on reconnaît bien là votre amour des stats en tous les cas. C'est vrai que c'est presque un deuxième championnat qui a débuté cet après-midi, en milieu d'après-midi avec les phases finales. Le travail d'Hermias qui permet le centre derrière qui n'ira pas au bout d'Adam. C'est Stéphanois qui sont totalement muselés. Récupération de Marwan. Une seule occasion tout à l'heure d'Hermias pour les Verts. Salah Eddin, qui est passé au milieu de deux joueurs, tel un Marco Verratti. Et le ballon pour Hermias, mais qui est là, totalement excentré sur le côté droit, pris par deux Messins. Impossible pour lui de s'en sortir. Il réclame la touche Naël, il ne l'obtiendra pas. Est-ce qu'on va faire rentrer du sang neuf de part et d'autre? Il semblerait que Mikael Cesca veuille faire partager la fête du côté Messin avec l'entrée dans les prochaines minutes d'Ethan, me semble-t-il. Non, Dalil. De Dalil. Qui fut le buteur. Oui, premier buteur de la demi-finale tout à l'heure. Sur ce terrain. Et qui est un U11. C'est quand même une jolie performance. Il est né en 2004. Petite Dali, si vous préférez, effectivement. En janvier 2004, il est né. Et en attendant, c'est un corner pour ses coéquipiers. Il avait sauté plus haut que tout le monde, Noah, mais pas dans le bon timing. Corner. Pour cause, le ballon a été retouché, en effet. Et deuxième chance à venir pour Eldin sur ce coup de pied de coin. Et ce ballon qui était à nouveau destiné dans la surface de réparation à Noah. Pas de deuxième chance. Ballon capté par Clément. Qui dégage loin devant. Et c'était tranquillement captable ça pour Johan. Metz qui défend très bien. Qui est une équipe qui est très agressive sur le porteur tout de suite. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Ils font pas plus de fautes que d'autres. Mais ils sont tout de suite très très proches, ils ne reculent pas et on les a vus souvent
comme ça, non seulement intercepter le ballon, mais être capable immédiatement de contre-attaquer et de créer le danger. Et c'est Johan justement qui a cédé sa place avec l'entrée de Dali, le premier changement. Il y a encore une très bonne défense, très bonne défense de Mathieu en avançant, Mathis, debout et en avançant. Qui a voulu donner directement devant. On n'a plus trop le choix, on allonge. Peut-être par précipitation. Superbe élimination, double tentative de grand pont de la part d'Edouard. Quel dommage que M. Raïs n'ait pas laissé l'avantage. M. Raïs qui a un programme très très chargé, puisque outre les examens à Clairefontaine qu'il va passer pour passer en national justement, c'est-à-dire pour l'instant il est en ligue déjà encore. Il est en ligue donc il pourrait, c'est normal, il a 18 ans, il peut être bientôt capable d'arbitrer des matchs au niveau fédéral, c'est-à-dire des matchs de U17, des matchs de U19, de clubs comme cela, des Lyon Saint-Etienne et autres. Et non seulement il va passer ses examens début juin, mais après il a le bac quand même. Parce qu'il a 18 ans et il a le bac à passer, donc ça fait pas mal de révisions pour cet arbitre, puisque c'est la théorie qu'il va passer à Clairefontaine en juin. La théorie et re-la théorie avec le bac. Derrière, le bac STMG. Il va pas pouvoir venir à Nice, c'est pas possible. C'est tout début juin, ouais, c'est vrai que la question peut se poser. C'est avec les euros quand même. Hein. Ça peut être serré, effectivement, avec les examens avec Clairefontaine. Allez, Mohamed est rentré à la place de Salah Eddine côté stéphanois. Pour ces dernières minutes, là, il faut jeter toutes ses forces dans la bataille. Et au contraire, ce sont les Messins qui ont une balle de 2-0 avec le duel. Et Clément qui s'en sort très bien avec Maestria parfaitement parti sur son côté droit sur cette tentative d'Edouard. Et la contre-attaque peut-être à venir. Avec ce numéro de soliste qui n'ira pas au bout, signé Ibrahim. Et Ted qui part à grandes enjambées dans ses dribbles sur le côté gauche. Il a réussi à faire le tour d'Hermias, impressionnant. C'est pas seulement un joueur qui a un grand gabarit, ce qui est évidemment un gros avantage à cet âge-là. Il a aussi des qualités techniques remarquables. Ah, il continue de se promener. Il a peut-être été un petit peu trop gourmand avec cette tentative de petit pont sur Matisse. Mais le ballon reste en faveur des Grenats. Pourquoi pas une tentative de frappe? Elle est contrée, cette tentative. Et le ballon qui reste malgré tout dans le pied des Mosellans. Et bien, ce qui prouve au passage que même si l'équipe première est en grande difficulté en Ligue 1, du mal à repasser au plus haut niveau professionnel. Malgré tout, derrière, ça continue de former plein de joueurs. On en a vu des paquets dans cette saison de Ligue 1. On en a vu des paquets être titulaires cette saison, des joueurs passés par le club. Et ils vont au bout. Et c'est terminé. Les Messins qui ont été impressionnants tout au long de cette phase finale cet après-midi et qui remportent cette deuxième étape nationale de la Danone Nation Cup au nez à la barbe des Stéphanois. Une finale où on aura vu le capitaine Ted montrer l'exemple, buteur tout au long de l'après-midi, buteur décisif donc en finale, en première période. Victoire et titre donc ici au domaine de Blonay pour le FC Metz. Ouais, des qualités, Ted Alonso a montré effectivement des qualités physiques qui lui ont sans doute permis d'être de tenir sur l'ensemble de la journée à un niveau très élevé quand d'autres fatiguaient peut-être un peu, bien sûr, parce que c'était très exigeant cette journée aujourd'hui à publier au domaine de Blonay. Et Metz va au bout, un joli titre. J'avoue que je ne me rappelle pas, mais il me semble qu'ils n'étaient pas venus l'an dernier. Non, les Messins, ils n'étaient pas venus depuis 2008. Oui, c'est ça. Ce rendez-vous c'est de ça. La Danone Nation Cup. Nancy était là, mais pas Metz. Ouais. C'est un retour triomphal pour cette équipe messine. Et on va aller du reste, après avoir vu, mon cher Philippe, les meilleurs moments de cette finale, recueillir les impressions de nos vainqueurs. Et le meilleur moment, c'est bien sûr ce but qui a finalement fait la différence. Peut-être un tout petit peu de naïveté de la part de Matisse et du coup Ted qui passe devant et d'un pointu fait la différence aux dépens de Clément. C'est le seul but encaissé par les Stéphanois au long de cette journée. Et puis on a apprécié quand même côté Stéphanois ce raid de Hermias, qui c'est la seule occasion stéphanoise en finale. Un autre coup franc mais assez loin du cadre, c'était Noah qui s'était essayé à cette frappe, et tout de même assez lointaine. Et puis en seconde période, eh bien, il n'y aura pas eu beaucoup d'actions décisives. Quelques jolis numéros de soliste. Si quand même, cette occasion importante pour Edouard qui bute
sur après un joli raid sur le côté droit qui bute sur Clément qui aura vraiment tout arrêté durant cette journée sauf ce premier but sur le premier but inscrit, ce premier et unique but de cette finale marqué par Ted. D'abord être sûr d'être à l'antenne. Alors est-ce qu'on est déjà prêt pour l'interview? Ce serait évidemment formidable. Et je pense que c'est justement le capitaine Messin qui va être à l'honneur. Alors que vous voyez les Stéphanois, bon, petite tristesse d'avoir perdu la finale, mais leur cri de guerre est pas mal quand même. Et Philippe, on se retrouve en direct avec le capitaine, buteur des vainqueurs, Messin à nos côtés, c'est Ted. Ted, quelle journée incroyable! Et les Messins qui reviennent et qui gagnent, c'est une super sensation, non? Oui, c'est une sensation, on fait un match nul, on devait gagner, on est revenu, on est monté en force. Et grâce à ça, on a pu gagner, et on est fiers, on est très fiers. Et on va à Nice, c'est super. Oui, parce que c'est vrai que c'est l'ambiance particulière alors que l'on voit la communion. Suivez-nous quelques secondes parce que Ted, t'as tes partenaires qui sont avec les Stéphanois, les deux équipes qualifiées pour le rendez-vous niçois et qui communient ensemble. C'est ça aussi la Danone Nations Cup. Il y a un vainqueur, il y en a deux surtout qui iront à Nice quand bien même les Messins se sont imposés cet après-midi. Les deux formations iront à Nice et ça aussi, c'est un moment privilégié à partager. Une petite question d'un point de vue personnel. Ted, tu t'es régalé tout au long de cette journée, dis donc. 5 buts, ça c'est un capitaine qui monte l'exemple, dis donc. Ouais, 5 buts, mais c'est aussi grâce aux coéquipiers. Ils ont offert les passes et voilà, c'est le plus important. Ça faisait longtemps que tu pensais à ce rendez-vous, enfin que vous en parliez, vous, ensemble. Bah oui, on a préparé. Et voilà, la préparation, on a réussi. Ouais. On est fiers de nous, il faudra préparer Nice maintenant. Ah, il y a du temps encore. Ouais, mais il faut toujours préparer en avance. Est-ce que toi, j'imagine, compte tenu de ce qu'on a vu aujourd'hui, compte tenu de ton rôle de leader, de capitaine, t'as envie de faire de ce sport ton métier plus tard? Oui, j'ai envie, c'est ma passion. C'est un rêve pour tous les joueurs qui jouent au foot. Après, c'est un rêve qui peut devenir réalité, mais il faut bosser, il faut travailler très dur. Et pour le moment, t'es sur la bonne voie, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, c'est le coach qui décidera à la fin de l'année jusqu'à que je suis plus grand et voilà, c'est tout. Très bien, eh bien, on va laisser te retrouver tes coéquipiers, tes partenaires, Ted, avec la possibilité peut-être pour nous de retrouver Mickaël Cesca, l'entraîneur. Allez, on va y aller voir l'entraîneur de cette équipe Messine, l'éducateur qui est à nos côtés. Mickaël, un petit mot s'il vous plaît, alors que se poursuit ce moment intense de joie pour votre équipe, le sourire évidemment, le sourire parce que aussi on a vu un bon moment de communion avec les Stéphanois, c'est une journée qui se termine idéalement dans tous les sens du terme. Ouais, c'est en fait on a... On a commencé hier après-midi. Hier après-midi, on l'a préparé depuis hier. Après, pour arriver jusqu'au bout, il faut aussi une part de chance. On a essayé de produire du jeu. Et voilà, donc les garçons sont récompensés de leurs efforts tout au long de la journée. Justement, allez, tout au long de la journée, juste au quart demi, c'est des matchs à une bonne intensité. Et ça se joue à des petits détails. Et voilà. Bien sûr, et justement, puisque ce sont des petits détails et que ces journées sont pleines d'incertitudes, ouais. Quand on est éducateur comme vous, qu'on vient ici, on a quel objectif en tête? De faire grandir ses enfants, de leur apprendre certaines choses, de véhiculer d'autres choses? Alors, quand on arrive ce genre de tournoi-là, l'objectif c'est d'amener un peu plus de formation, on donne un peu plus de rythme dans le jeu aux garçons, plus d'intensité. Et puis ça fait du bien aussi de se confronter à d'autres équipes, à d'autres régions et à d'autres niveaux de football. Donc c'est bien pour les garçons. Retour gagnant en tout cas pour les Messins qui n'étaient plus venus depuis plus de 5 ans ce rendez-vous de la Danone Nations Cup et qui seront donc, comme les Stéphanois, au rendez-vous de l'Alliance Riviera à Nice. Merci Mickaël de nous avoir accompagnés. Je vous laisse rejoindre vos petits qui ont été les héros de cette journée. Philippe, le mot de la fin, alors que c'est vrai que le rideau se tire avec la vue sur ce magnifique lac Léman en dessous de nous, ce domaine de Blonay qui accueillait cette deuxième partie de qualification nationale pour le rendez-vous niçois. On a vu un sacré foot aujourd'hui à l'image de cette finale qui a été très serrée, mais que les Messins ont mérité de gagner. Non, mais ça a vraiment été une vraie, vraie, vraie belle journée.
la finale n'est peut-être pas le meilleur match parce que n'a pas été le meilleur match parce qu'encore une fois la fatigue et les efforts consentis sont énormes. Mais vraiment, on a vu vraiment beaucoup de qualité comme on le voit toujours dans cette Ligue Rhône-Alpes et drôlement enrichi. Vous avez vu l'identité du vainqueur, drôlement enrichi par l'Est de la France. Même Rouen a fait bonne figure d'ailleurs. Non, c'était vraiment un tournoi de très belle qualité. On espère évidemment que la troisième étape à Créteil, le 10 mai, où l'Île-de-France en général, la région parisienne en général, offre un tournoi également de grande qualité, parce qu'il y a beaucoup de joueurs évidemment de qualité. Donc on espère que ce sera de haute volée comme aujourd'hui. Eh oui, parce que les rendez-vous se poursuivent. On vous retrouvera évidemment, Philippe, le 10 mai prochain. Donc rendez-vous sur Dailymotion et puis aussi pour revoir chez nos partenaires Canal+ et Sport 24 ces rendez-vous de la 16e édition de la Nanone Nation Cup en route pour Nice, c'est un petit peu l'intitulé de ce rendez-vous. Merci Philippe d'avoir été à nos côtés et merci à vous pour votre fidélité sur Dailymotion. À bientôt le 10 mai, soyez ensemble en Ile-de-France pour nous regarder. On sera là. Merci beaucoup, t'as été au taquet.